Salut à tous et à tous, c'est Gaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale. Donc je vais présenter la meilleure technique d'achat revente pour moi sur ce FUT16. Donc voici la technique, je pense que si vous la regardez mes vidéos d'achat revente du Road to Zlatan, vous la connaissez. Elle est très simple, mais voilà, je voudrais vous l'expliquer et vous la montrer parce que c'est vraiment pour moi la meilleure technique. On peut se faire des bénéfices en plus, des gros bénéfices et très simple, très facilement. Donc je vais tout simplement vous l'expliquer. Donc la plupart des gens la connaissent déjà, je pense. C'est la technique FUT millionnaire. Donc elle consiste à quoi? À acheter tout simplement pour moi. Donc pour moi la meilleure chose, c'est acheter des joueurs qui veulent entre 0 et 5000 crédits et de les revendre à un certain prix selon un barème. Donc tout simplement, je vais vous mettre le lien du barème dans la description. Donc n'hésitez pas à aller le télécharger. Si vous êtes sur des chaînes communautaires, si cette vidéo a la chance d'être posée sur des chaînes communautaires, n'hésitez pas à cliquer sur ma chaîne, comme ça regardez la vidéo sur ma chaîne et de vous abonner en même temps, et puis pourquoi pas et puis de cliquer pour récupérer le barème. Et il y aura pas que le barème les gars, puisqu'en même temps je vous donne une liste d'achats revente qui pour moi sont les meilleurs joueurs à faire. Donc moi je fais avec des joueurs de BPL parce que ça marche le mieux tout simplement. Donc n'hésitez pas à télécharger cette liste, le lien sera dans la description de cette vidéo aussi également. Et donc je vais vous expliquer tout ça à peu près à quoi consiste. Donc il suffit, donc il faut acheter pour un joueur en dessous de, je vais vous dire à ça environ, donc pour un joueur en dessous de 9000 crédits, vous l'achetez avec, alors au moins l'idéal c'est de prendre un style, mais pour moi il faudrait l'acheter avec au moins 7 de contrat et 90 de forme, c'est le minimum. Et vous le relistez pour un joueur en dessous de 1000 crédits, 500 crédits plus cher. Pour les joueurs entre 1000 et 2800 crédits, et pour à partir de 2000 crédits jusqu'à 5000, vous mettez 900 crédits plus cher. Donc voilà, de toute façon au pire, si vous voulez avoir exactement le prix, n'hésitez pas à, comme je vous l'ai dit, cliquez sur le lien dans la description où vous pouvez télécharger le barème. Donc voilà, c'était une vidéo très très simple. Je vais là pour vous expliquer comment ça marche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si vous voulez d'autres joueurs que des joueurs de BPL, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je pourrais vous en dire quelques-uns qui marchent très bien. Mais pour moi, voilà, les joueurs de BPL c'est la base parce que c'est les joueurs qui sont le plus utilisés. Et donc voilà, c'est donc ceux qui ont plus de chances d'être achetés. Donc comme je vous dis, les styles. Donc les styles, c'est pas obligatoire, je pense, parce que ça peut se vendre sans, mais si vous en avez un, si vous voyez un au prix minimum et au prix minimum d'achat immédiat avec un style, prenez-le, ça peut partir beaucoup plus vite. Donc n'hésitez pas. Et donc comme je vous l'ai dit aussi, s'il y a aucune façon d'enchère, c'est que sur les achats immédiats. Donc voilà, vous mettez le prix moins cher en immédiat et vous le relistez, et c'est très très simple. Et après, donc après quand vous avez vendu, donc le but c'est de relister plus souvent parce que ça partira pas tout de suite, faut relister un maximum de fois. Et une fois que c'est relisté, dès que vous vendez, vous rachetez, etc. Et vous allez voir qu'à bout d'un moment, vos crédits vont monter très facilement. Je pense qu'au bout de, si on fait ça pendant une journée entière, on reliste 12 heures, on peut se faire dans les 50, 100 000 crédits en une journée. C'est très très simple, ça marche à merveille. Donc, comme vous pouvez le voir, on va arriver vers la fin de la vidéo. Donc vous voyez que grâce à cette technique, on est quand même arrivé à 70 000 crédits en deux jours. Et encore, je n'ai pas pu relister tout le temps, donc pour vous montrer que ça marche vraiment très très bien. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu les gars. N'hésitez pas donc à me rejoindre en vous abonnant à ma chaîne et en likant cette vidéo, ça fait un max plaisir. J'aimerais bien avoir 30 likes sur cette vidéo, ce serait vraiment bien. N'hésitez pas donc à regarder dans la description pour récupérer la liste des joueurs qui se vendent avec cette technique qui est faite par moi. Et donc le barème qui sera dans la description. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas fait. N'hésitez pas à vous abonner. C'était Akatan, pour une nouvelle les amis. Bye tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour vous montrer les nouveaux joueurs qui ont été la première série de Up qui a été disponible depuis hier soir. Donc voici à quoi ressemblent donc à peu près les meilleurs joueurs.